deux buts, trois passes décisives, sacré l'homme du match aujourd'hui. Ouais, on va dire ça. Après, ces deux buts, je ne les ai pas marqués tout seul, c'est grâce au collectif. Et voilà, après, c'est toujours bien de mettre deux buts et de faire trois passes décisives. Parce que si, quand tu fais une passe décisive à ton collègue, c'est comme si, pour moi, c'est comme si j'avais marqué. Et ça fait plaisir de voir mon coéquipier aussi content. L'important aussi, c'est de pas perdre, de rester premier au classement et puis aussi de soigner le goal average. Ouais, c'est important de pas perdre parce qu'on est surtout à la maison. Et à la maison, il faut essayer de laisser le moins de points possible. Et gagner 6-2 ou 5-2, c'est toujours bien pour le goal average parce qu'en fin de saison, ça peut compter. Concrètement, la saison cette année, elle est quand même superbe. Oui, franchement, oui, elle est super parce qu'on l'a bien entamé. Après, on a bien repris à la reprise. On a enchaîné avec les victoires et ça fait toujours du bien. On se projette déjà sur le prochain match ou on savoure simplement cette victoire aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vais savourer cette victoire. Après, pour le prochain match, on a la semaine pour se mettre dans le bain. Allez, Néo, deux buts. Je discutais maintenant avec Loutfi. Il te fait deux belles passes D. Oui, il me fait marquer. Donc, il faut aussi le féliciter à lui aussi et à toute l'équipe aussi. Comment tu t'es senti dans ce match? Bien, personnellement, bien. Après, mes collègues ont fait le travail juste un peu avant. Donc, après, ça a facilité le déroulement du match. Et c'est bien, j'ai marqué deux buts. Ça garde un peu tout le monde en confiance puisque tous nos attaquants ont marqué, donc c'est très bien pour la suite. Tu t'attendais avant le début de ce match à ce que le score soit si important? Non, franchement, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus compliqué. Après, on facilite le match en marquant dès le début. Derrière, on se fait un peu peur, mais voilà, on repart sur la deuxième mi-temps. Tambour battant et derrière, voilà, on marque de suite dès l'entame de seconde mi-temps et ça a facilité le match. Ce que je disais avec Loutfi, l'important c'est de conforter cette place de leader aujourd'hui. Oui, c'est très important. Aujourd'hui on l'a, on ne veut pas la lâcher. Voilà, je préfère être dans cette position-là plutôt que de chasser le premier. Voilà, les matchs vont arriver, vont s'enchaîner, on va essayer de les prendre les uns après les autres. Et de toute façon, nous, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'on veut et voilà, on va tout faire pour. Allez Cédric, mission remplie aujourd'hui. Ouais, on voulait ces 3 points, c'est chose faite, donc on est satisfait du résultat final. Toi, en tant que technicien, comment tu l'as vu ce match? On fait une super entame de match où on donne le tempo. On regrette un peu le fait d'avoir reculé. Et d'avoir laissé ce monorythme s'installer. D'ailleurs, ils reviennent logiquement à 2-1 à la mi-temps. On s'y attendait un petit peu au vu des situations qui s'étaient un petit peu accumulées. Donc ça a eu le mérite de nous rebooster pour cette seconde période. Voilà, à la mi-temps, les joueurs sont faits aussi bousculer. Je pense qu'ils en avaient besoin sur notre première mi-temps et sur le message qu'on voulait leur faire passer. Et ils ont attaqué un début de deuxième mi-temps pied au plancher. On a réussi à aggraver le score. Et puis après, ça a été plus simple pour nous. Score important quand même avec 6 buts. On s'attendait peut-être à quelque chose de plus serré. Il faut relever quand même qu'ils nous ont posé des problèmes dans certains circuits de jeu qu'ils ont mis en place. Mais c'est vrai qu'après, sur ces aspects de transition, on a pu répondre présent. Et comme je l'ai dit, ce qui comptait, c'était aujourd'hui de continuer avec une 11e victoire. C'est chose faite. Voilà. C'est une étape de plus. Il va en rester encore beaucoup d'autres. Un petit point sur la recrue qui est arrivée il n'y a pas si longtemps et qui a pas débuté le match, mais qui est rentrée en cours de période. On avait besoin de compléter ce secteur de jeu. Voilà. Aujourd'hui, Madi nous a rejoint. Thomas a eu un petit souci à la cheville la veille du match. Donc on a intégré Djibril dans le 11 de départ. Et Madi est venu compléter en deuxième mi-temps. Voilà. Il sait le bien qu'on lui veut, ce qu'il peut nous apporter. Mais il y a aussi un collectif. Et c'est ça le plus important. C'est les joueurs s'intègrent dans ce collectif-là.
Et il aura l'occasion certainement de s'exprimer comme d'autres, mais il faut qu'on continue de manière collective. Sanno i nostri gori, sanno a Blois.